Ça va de toi? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un produit un peu particulier, c'est cette petite balle. Cette petite balle qu'on appelle plus communément une Powerball. Et c'est le gyroscope le plus puissant du monde. Avant qu'on rentre dans le détail au cours de la vidéo, si ça te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, tu le sais. Et n'oublie pas également de donner ton avis dans les commentaires, ça fait toujours ultra plaisir. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va essayer de taper les 2000 pouces bleus. Parce qu'en ce moment, j'avoue, il y a une sacrée baisse de régime sur la chaîne. Donc je compte sur vous, un petit pouce bleu pour le soutien. Donc bref, cette Powerball, comme je l'ai dit, c'est un gyroscope. Et je vous mens pas, c'est marqué juste là. Vous le voyez à l'intérieur, en fait vous avez cette petite balle qui va tourner. Et c'est à l'intérieur qu'est le gyroscope. Vous avez ici un petit trou dans lequel on va mettre cette ficelle. Tu places la ficelle à l'intérieur, tu tournes, tu fais tout le tour. Tac, 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 tac. Tu te laisses un petit morceau et ça, ça va nous permettre de lancer le gyroscope. Sur le devant ici, on a un écran avec un bouton mode et un bouton power. Comme ceci, hop. Vous avez possibilité donc de choisir plusieurs modes. Et l'écran va vous donner quelque chose d'essentiel, c'est le nombre de tours par minute. Il faut savoir que le gyroscope contenu dans cette Powerball peut tourner jusqu'à 15 000 tours par minute. Et tout ça alimenté uniquement par votre main. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais c'est juste énorme. Et la question qui va revenir c'est, mais c'est bien, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? En fait c'est tout ça. Vous prenez votre Powerball comme ça, vous allez la lancer, le gyroscope va se mettre à tourner. Vous allez alimenter par des mouvements circulaires de votre main, le gyroscope va donc tourner automatiquement par le mouvement de votre main. Et plus vous allez tourner vite, et plus le gyroscope va tourner vite et longtemps. Une fois qu'il tourne relativement vite, vous arrêtez votre mouvement circulaire et vous laissez votre main comme ça. Et c'est là que le travail de la Powerball intervient. C'est que le gyroscope à l'intérieur de cette Powerball va continuer de tourner. Et vous, votre but, ça va être de continuer de maintenir cette balle dans votre main. Et c'est là que tout le travail intervient dans l'avant-bras, dans le poignet et dans les biceps. Cette Powerball, c'est prévu pour se muscler et travailler les avant-bras et les bras. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant quand j'ai vu ça. Ça vient d'Amazon, donc je vous laisse aller voir ça. Je vous ai mis un petit lien dans la description. Vous avez un lien avec l'écran, donc qui est un peu plus cher. Et un lien sans l'écran qui est bah, pour moi pareil, si ce n'est bah, savoir le nombre de tours par minute, mais ça je pense pas que ce soit vraiment essentiel. Sans plus tarder du coup, je vais passer à l'essai, on allume le petit écran, j'ai chargé la Powerball et là on va la lancer, hop, tac, et on va commencer les mouvements circulaires comme ça, voilà. Et là le travail commence, voilà. Je vais essayer de me rapprocher du micro. Ah mon gars, je vais la lâcher. T'entends là? T'entends comme ça s'accélère? Là j'arrête et là je te jure mon bras je le bouge pas. Mon bras je ne le bouge pas, il bouge tout seul. Et là je te jure que c'est tendu, ça douille, ça douille. Le gyroscope commence à ralentir, donc là on va remettre des coups de bras comme ça. Ça fait trop mal. Ah. Et là vraiment vraiment j'exagère pas, c'est vraiment un peu dur à tenir hein. Et là tu peux le voir sur l'écran, j'ai fait 3610 tours par minute. Sachant quand même que cette Powerball peut aller jusqu'à 15 000 tours. Et franchement je te jure j'ai le bras tout congestionné. J'ai pas des gros bras hein, mais là j'ai toutes les veines qui ressortent. Et tu sais j'ai l'impression d'avoir Ce qu'il faut que vous sachiez par contre c'est que au début c'est vrai que c'est super dur à lancer. Au début quand tu mets la petite ficelle comme ça à l'intérieur, que t'enroules, les premiers lancers sont vraiment pas faciles. C'est un coup de main à prendre, mais une fois que t'as pris le coup de main, franchement, c'est assez excellent. Voilà. Tu vois le mouvement que je fais, hein. Vraiment un mouvement circulaire. Et je sais pas si on entend le micro. Ah là, c'est dur. Eh ben ça s'accélère. Et je peux te dire que mon bras, moi j'ai un petit bras. Rendez-vous dans un mois, je vais avoir un bras comme ça, je te promets. Ah mais en tout cas je tiens pas bien longtemps. Je dois pas être très musclé du bras. Ah mais bon aussi là pour la vidéo je suis pas très très chaud. J'avoue je suis pas chaud. Il faut savoir que mon record c'est 8544. En gros j'ai fait la moitié de ce que peut faire cette Powerball. Donc j'ai encore vraiment de la marge de progression. J'en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que bah, ça vous aura plu. J'espère que cette petite Powerball, ce petit gyroscope vous aura plu. Si vous voulez vous en procurer un pour tester, je vous ai mis le lien dans la description, le petit lien Amazon. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Moi je vais m'amuser encore davantage avec cette Powerball parce que c'est quand même super intéressant et super stylé. J'ai mon bras là, il est tout congestionné à moitié, c'est marrant d'ailleurs. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si t'as kiffé. Dites-moi dans les commentaires quel produit de ce style-là vous aimeriez que je vous présente en vidéo. Donnez-moi des idées, ça peut être sympa. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Peanut, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao. Ah, je vais te dire mon copain là, ça va flinguer grave. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas. Je vais te faire. Ouais, t'es chaud. Fou.